Donc aujourd'hui, ouais, on a envie de cuisiner. Un cuisinier sans jardin, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Le jardin est un équilibre, un écosystème hein, mis en place, hein, avec beaucoup de paramètres qu'on ignore même nous encore aujourd'hui, parce qu'il faudrait une connaissance de dingue. Lionel, il l'a, nous, on ne l'a pas. Lionel, c'est la beauté de la personne, c'est l'humilité de la personne, c'est sa connaissance incroyable. C'est la sauce cassis. C'est un poivre du Japon, un sancho. Azimina triloba, c'est de la moutarde japonaise. Xanthoxylum piperitum purpureum. Voilà, on parle latin ici parce que les plantes ont un nom. Ce qu'il peut apporter en cuisine, c'est la force de la nature. Il appuie là où ça fait mal. Alors la sauce Lionel nous emmène à une dynamique créative supplémentaire. Pour notre cuisine. Il a une très très grosse place dans le monde de la cuisine. Marier, elle va être source d'inspiration à un niveau qui ne se doute même pas, je pense. Alors, oseille, elle est en fleur là. Et par contre, j'en ai remis là, j'en ai là le long là. Et sinon, il y en a dans le jardin à l'entrée. Ouais. Hop. Allez, c'est parti. Bah, moi, ça fait 20 ans maintenant, 20 ans que. que je suis à mon compte, c'est 20 ans que je travaille dans les jardins. Mes parents ont toujours eu un jardin potager. J'ai eu très vite mon petit bout de jardin à moi, où c'était plutôt la friche au début, mais après, petit à petit, voilà, je me suis un peu perfectionné au fil du temps. Et c'est devenu vite une passion. Le jardin, il est né par des balbutiements. C'est la rencontre avec le jardinier, c'est la rencontre avec Lionel. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. C'est son courage qui fait qu'à un moment donné, vous ne pouvez être que petit et plein d'attention. Et forcément, vous allez grandir avec la personne. Quoi. Moi, je travaille depuis 2006 avec Laurent Petit, là, depuis qu'il a voulu vraiment intégrer les aromates dans sa cuisine. 2006, là, il n'y avait vraiment que cet espace-là. Donc il y avait 16 carrés où on pouvait piocher dedans. Et petit à petit, bah, ça a pris de plus en plus. L'intensité s'est accélérée le jour où on a mis le potager en route. C'est la quatrième saison dans le potager. Et là, il y a 200 variétés entre les aromates, les légumes, les fruitiers. Donc en plantes comestibles, ouais, c'est 200 variétés différentes, au moins. Dans un jardin comme ça, en permaculture, inspiration permaculture, c'est la plante au bon endroit, quoi. Enfin, si on ne plante pas la plante là où elle se plaît le mieux, finalement, elle va pas se développer, elle va pas s'épanouir. C'est un coteau qui est vraiment surexposé plein sud. Et cette surexposition, donc il y a avantages et inconvénients, bien sûr, parce que finalement, on a des plantes qui s'adaptent très bien à la surexposition et d'autres beaucoup moins. Alors, pour pallier à ça, j'ai planté pas mal de petits arbres fruitiers qui vont permettre d'ombrager certaines zones. Les artichauts, par exemple. Les artichauts, on en voit un peu partout. Ça donne un peu du rythme au jardin et ils se plaisent très bien parce que justement il y a cette exposition plein sud. Ce qui est important aussi dans un jardin, c'est que les plantes soient adaptées au lieu, c'est-à-dire au climat, au sol. Donc ce qui fait qu'en récupérant d'année en année ces graines, je récupère aussi le patrimoine génétique de la plante et qui est une plante finalement qui est adaptée au terrain et qui va s'y plaire, quoi.
L'inspiration permaculture, il y a énormément de zones qui restent sauvages volontairement, justement pour garder les auxiliaires dans le jardin, c'est-à-dire les coccinelles. Bon, là, on a eu une attaque de pucerons, mais qui ont été rapidement neutralisées par les coccinelles. Là, ça, c'est une larve de coccinelle. Il y a des hérissons, il y a des couleuvres, des orvets, il y a vraiment une biodiversité. Une fois qu'on a l'équilibre, eh ben, la difficulté, c'est de garder cet équilibre. Dès qu'on va intervenir, admettons, même si c'est des produits comment dire, naturels, il faut bien avoir conscience que cet insecticide ne va pas tuer que le puceron, il va tuer aussi également son prédateur, la coccinelle et les autres. Pour fertiliser, on n'utilise que les déchets de cuisine. C'est une matière très 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 riche, hein, parce qu'on voit là les pinces d'écrevisse, il y a du poisson, et du coup on se retrouve avec toute cette matière organique qui va vraiment booster la vie du sol. Et là on se retrouve avec une terre finalement qui est très friable, très fine, et là ça va être vraiment propice au semis de la carotte. En arrosant moins, on a vraiment des plantes qui ont un goût plus intense qu'une plante qui a été fertilisée, arrosée régulièrement. Et ici, c'est le goût avant tout. L'objectif ici, c'est vraiment d'avoir la carotte avec le feuillage et surtout la fleur, parce que ce qui est utilisé, c'est pas seulement la racine, mais surtout la feuille et la fleur, quoi. On laisse pousser jusqu'à obtenir les fleurs qu'on ne connaissait pas forcément. Le simple poireau que tout le monde reconnaît sur l'étalage, on le découvre en fleurs ici dans le jardin. Ensuite, on utilise justement chaque petite graine de ces fleurs pour condimenter, assaisonner. Le but, c'est vraiment pas de produire pour le restaurant, on n'a pas la place, mais c'est vraiment de s'inspirer de toutes ces choses. Je pense que naturellement, il y a un étiolement, il y a une société de consommation. Vous ne savez plus à qui vous achetez la marchandise, vous ne connaissez pas l'histoire des gens, quoi. Dans mes expériences, j'ai travaillé dans pas mal de grandes compagnies internationales. On parle de numéros, on parle de chiffres, d'argent, de concepts. Moi, ma génération, personnellement, on a tout foutu en l'air, quoi. On était juste la résultante de parents qui avaient en mémoire les années difficiles de la guerre et qui ont voulu faire de nous des enfants soi-disant géniaux, mais surtout pourri gâtés, quoi. On sait ce que c'est que d'être fier de ne faire venir en tapant pour envoyer un petit email à 10h du soir et que le lendemain soir, à Annecy, les langoustines de l'Octudis sont arrivées vivantes. Tout ça, on l'a vécu, quoi. On sait ce que c'est, quoi. Et ça, c'est pas la vraie vie, quoi. C'est certainement pas la vie de cuisinier, quoi. À 50 ans, j'ai dit stop, quoi. Par quête de sens et par sobriété, par une humilité, se rapprocher de ce qu'est la réalité du monde. Il suffit d'aller justement voir ces producteurs, ces éleveurs, ces pêcheurs, les gens qui sont en contact et qui font leur travail, pour se rendre compte que l'essence même de ces gens-là, c'est de faire quelque chose de bien. S'intéresser aux hommes, ça change tout. C'est se rapprocher, avoir une véritable lecture du produit et donc un rapprochement énorme près des hommes qui font le territoire. Ces gens-là, forcément, avec cette éthique de travail, vont nous amener à nous aussi à se construire sur une éthique. Et l'éthique va se traduire dans l'assiette, jusque sur la table. Et que, d'une manière assez incroyable, le client, à la dégustation, va le ressentir. On ne pourrait plus vivre sans jardin. Un vrai sensibilisateur, que ce soit pour la cuisine, mais pour les gens de la salle. C'est aussi un cheminement, l'évolution, mon évolution, notre évolution, l'évolution de la maison, l'évolution de la société. Aujourd'hui, il a un rôle énorme, mais peut-être pas celui que vous croyez, il a surtout un rôle pédagogique. C'est une lecture de ta nature, donc cette lecture elle est appuyée par ton jardinier,
voilà, et ben t'es obligé d'être dans une dynamique de folie, quoi. En cuisine, ils apprennent à cuisiner, mais ils n'ont pas forcément toute cette connaissance de diversité de plantes. Donc là, c'est plutôt moi qui apporte voilà, les nouveautés. Les cuisiniers sont connectés réellement à un petit lopin de terre, voilà, au même titre que tout le monde doit avoir sur son balcon une petite jardinière où il pousse quelques aromates, ne serait-ce que ça, quoi. On va s'enrichir, on va se cultiver nous-mêmes, et c'est ces gens-là qui vont faire, par nos échanges, par leur travail, qui vont faire ce que nous, ensuite, on va traduire dans l'assiette. Ça a permis aussi, finalement, d'accéder à cette troisième étoile. On est tellement content d'avoir été cautionné par ce guide Michelin. On peut apprendre la cuisine à l'école et tout, mais si on ne connaît pas les plantes, voilà, il manque un maillon, quoi. Donc ça permet de relier un petit peu le jardin à la cuisine. C'est comme la table, si vous voulez. Une table, on dit souvent que ça réunit les gens, les échanges autour de la table. Le jardin, c'est la même chose. On part de ce qu'on a dans le jardin, on échange des graines, on échange des plants. C'est un véritable échange qui nous permet de grandir, de s'inspirer et de créer. Il y a des petites alliums là qui vont pas tarder aussi. Je vois les poireaux là qui commencent. Ouais, les poireaux aussi en bas, ouais. J'ai vu. Il y a des gros bulbes et tout, ils sont chouettes. Ouais. Je voulais voir dedans comment ils étaient. Du coup, c'est pour ça que j'en ai pris que deux. Ça m'intéresse de voir s'il y a un goût différent aussi. Ouais. Moi, je sais que quand j'étais en Italie, les mecs, ils travaillaient une variété d'artichauts qui étaient épineux. D'accord. Terrible, hein. Genre vraiment... Ah ouais. Ouais, vraiment abusé, comme ça, quoi. Et ils étaient hyper bons. Et surtout en cru. Donc, d'accord. Du coup, c'est pour ça que j'en ai pris deux, pour voir un peu. Chez le cardon, c'est la côte. Là, elle est plus petite, mais chez le cardon, on va avoir une côte beaucoup plus grosse. Et puis une côte, surtout, qui n'est pas filandreuse. Alors là, c'est les artichauts hybridés, ceux-là. Mais j'ai bon espoir qu'ils aient un goût un peu différent de l'artichaut classique. Peut-être plus prononcé, c'est peut-être ça qui va faire sa force. L'inspiration qui va nous ramener vraiment dans la saison du jardin que Valentin a développé surtout avec ses premiers aromates là, du printemps pour faire un curry vert. Donc on a la cébette, la coriandre, l'ail, l'oignon, le gingembre et les feuilles d'agrumes. Plus ce qu'on trouve en ce moment en quantité, donc c'est les artichauts. On va ciseler en fait assez finement tous nos ingrédients pour développer un maximum d'arômes. Le gingembre. La racine va nous aider en fait sur le côté un peu plus relevé de la sauce et la feuille sur le côté aussi très aromatique. Ici on a les agrumes dans notre serre, ce qui va amener en fait un côté citronné, on va dire, à la sauce. Une petite amertume et le côté végétal du citron en fait. La coriandre. On divise la recette en deux parties. La première partie, on va l'utiliser dans la sauce à la cuisson afin de pouvoir en fait développer les arômes, un petit peu de la coriandre, mais on en garde toujours aussi en frais quand on va la mixer et la passer pour garder beaucoup plus de fraîcheur dans notre sauce. Dans une casserole bien chaude, on peut verser tout en même temps, hein. Ils sont déjà très bons. Hein. On va déglacer avec le fumet de poisson qu'on a fait. On va laisser bien cuire pendant une petite heure afin d'extraire au maximum les arômes. Dans une heure, on va y mettre une petite goutte de jus de citron et une petite goutte de crème. Pendant ce temps-là, du coup, on va pouvoir s'attaquer à nos artichauts. Là, sur cette recette-là, on va les travailler le plus naturellement possible. On va faire les deux variétés d'artichauts, comme ça on verra aussi la différence gustative. Normalement, l'artichaut croisé avec le cardon devrait être un petit peu plus fin. Vraiment ce côté noisette, très doux.
L'artichaut va remplacer le côté viande en fait, qui va amener beaucoup de mâche, le côté très grillé, fumé un peu du barbecue. On aime beaucoup travailler là-dessus, en fait, sur un côté, sur un végétal, mais qu'on travaille comme une viande. C'est beau ça quand ça s'ouvre comme ça. Hein. Donc là, la sauce, vous avez vu, notre curry vert, il a cuit. On l'a mixé. Ça donne ceci. On l'a réinterprété à notre façon, avec tout ce qu'on a en fait dans le jardin. On arrive à faire des choses avec l'exotisme, même avec notre jardin. Avec nos gros artichauts, on a effectué la purée. Donc du coup, on va pouvoir venir faire des bons points. Ça amène aussi beaucoup de gourmandise au plat, en fait. Dans le jardin, évidemment, se trouvent des légumes, mais aussi beaucoup d'aromates. Quelques petites pousses de carottes. On a la verveine en ce moment qui explose dans le jardin. On va retrouver aussi la livèche, de l'origan doré, des grosses feuilles d'oxalis violet. Tous ces aromates vont amener beaucoup de complexité à la base de l'artichaut, ensuite tous ces aromates, et puis le curry vert qui va booster tout ça. Enfin, c'est très très végétal. Le jus en association avec l'artichaut curry vert. Donc un jus qui a été fait avec une base de pommes, auquel on associe un extrait, donc le gingembre, le verdin et la coriandre. Rapproche aussi le monde de la sommellerie à celui de la cuisine. On s'adapte à la saison aussi dans l'art de la table en décoration. Très nature, sauvage, de saison.